Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Du coup, évidemment, deuxième jour de The Event. Donc, au profit cette année, on rappelle bien sûr d'Action contre la caviar. Enfin, bien sûr, on va commencer le fanart de Bob. On va faire le fanart de Bob Lennon. Ok, je sais qu'il a beaucoup de fans. Hein. Donc, on va essayer de pas se planter, quoi. J'avoue, être un doliprane de lendemain de soirée. Elle est si. Tu verras demain. Demain, ce sera pire. Demain, ce sera comme ça. Bonjour à tous. Merci pour les 100 balles. Merci beaucoup. Alors, lui, ça va être compliqué, hein. Quelle idée d'avoir des cheveux comme ça après. C'est pour les cheveux, hein. Il a pas une tête comme ça normalement. Voilà. Normalement, je pense que j'ai fini là, les amis. Tout simplement, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas si mal. Tac, hop, on dirait qu'il a un mulet quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, il a plus les cheveux quand même un peu plus comme ça, tu vois. Genre, donc on va faire des traits dans ce sens-là pour donner une dynamique. On appelle ça comme ça. Dans le monde du graphisme, du dessin. On appelle ça donner une dynamique. On a un bon début, hein, on va pas se mentir, c'est pas mal du tout, hein, vraiment, c'est vraiment chouette. On n'a pas à rougir. De toute façon, je les fais tous plus gros qu'ils ne le sont. Je mets les yeux trop haut, c'est pour ça. J'ai pas de leçon à recevoir, déjà. Merci à tous. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Mais justement, je suis content que tu l'aies remarqué, je voulais que tu le captes. Je vais les baisser un peu, je vais les mettre là, tu vois. Le coup, avant la barbe, ça va être terrible, sinon non. Ah putain. Pas, toujours pas de leçon à recevoir, mais bien vu. Bravo de l'avoir remarqué. Ah! C'est déjà mieux. c'est beaucoup mieux. Et là, il y a eu une coupure trop nette d'ailleurs au niveau des cheveux, hein, bien sûr, très important. Vous voyez ce genre de détails, il faut les capter quand vous dessinez. C'est très important. Il faut les capter. Voilà. Ah, mais attends, on voit un bout d'oreille là. Hop là. Oh là 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 là! La masterclass! Putain, c'est dur. Hein? Oh, c'est toi qui as dessiné ça? Non, t'as vraiment dessiné ça? Mais... C'est vrai? Ouais. Mais oh, non, pas du tout, mais par contre, le dessin est pas... c'est pas moi du tout. Pas mal! Alors, c'est pas moi, si, bien sûr. Lui. Mais par contre, le step-up! Si, le step-up incroyable! En vrai, c'est peut-être mon chef-d'œuvre. Alors, il y a peut-être une différence entre les deux bras, mais c'est parce qu'en fait, il est plus proche de ce bras. Du coup, forcément, on le voit plus grand. On voit son bras plus gros. C'est pas, il n'a pas un bras plus gros que l'autre, hein, bien sûr. C'est juste la perspective, bien sûr. Ah, oh, putain, ras le cul. Attends. Ah mais non, mais c'est normal. Bien sûr, c'est normal. Bien sûr, faut réfléchir un peu. Hein. Très important de réfléchir quand on fait du dessin. On pourrait pas croire, on pourrait croire que c'est un loisir de con, et c'est le cas. Mais faut réfléchir. Hein. Oh ! Blind test, ça vient de quel jeu ça ? Et si vous êtes de vrais gamers, vous le savez ça. Hein, hein les gamers, vous connaissez ça. Hein, vous connaissez ça les gamers. Hein, ça c'est... Dites-le. Luigi ! Bonne réponse, bravo à tous. Voilà, c'est pas mal là. Hein. Là c'est pas dégueulasse. Hein. La société d'exploitation des égouts de Bazoches en Parets, en Vendée, qui donne 27 balles. Même si vous... On vous attendait. Je vais pas vous mentir qu'on attendait votre venue. Il ne manquait plus que vous. Tout simplement. Je vais peut-être lui rajouter un petit Fanta en plus à côté. Hein. Un petit Fanta. Salut! Merci la Société Générale pour les 50 balles. D'ailleurs, avant de faire le fanart de Florence, je vais tenter de faire le paiement. Attendez. Parce que normalement, il est 14h. Donc normalement, la Société Générale que j'ai eue ce matin m'a dit « Ok, monsieur, on pensait que c'était de la fraude. » Mais chez dame. Elle est à 11 000. Faire une donation. Hop, hop, hop. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que mes infos bancaires étaient déjà enregistrées et que c'était... ça allait s'afficher. Et... J'envoie 500. Pitié. Pitié. C'est bon. Pas mal de... Oh mais what? Attends, je vais lui expliquer. Je vais sur son site. Vas-y. Bonjour à tous. J'avais un donation goal, je devais appeler ma mère et en fait, elle devait, je devais lui poser 10 questions et si elle avait mauvais à une question, je devais donner 100 balles. Elle a eu mauvais à 5 questions, donc ma mère même qu'à moitié en fait finalement. Tu vois.
Et du coup, on devait choisir un streamer à qui donner, et puis c'est tombé sur toi. D'accord. Tout simplement. Mais c'est du pif ou c'est parce que tu apprécies mes donation goals? Ah oui, tes donation goals sont très drôles. Ah, d'accord. Mais en plus de ça, je voulais voir un petit peu les gens, j'hésite entre toi et Rivenzi au final. D'accord. C'est tombé sur toi. Déjà que Rivenzi, je dois aller à Brest avec lui, c'est déjà un calvaire. Je lui offre déjà ça, donc je vais te donner 500. Bah écoute, je te remercie énormément. Je vous en prie. Je te fais pas de hug parce que le Covid, oui, mais merci énormément. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, Antoine. Putain, la vache! Nous allons faire le GeoGuessr. Le premier prix que je vois, s'il est compris entre 500 et 3000 euros, je donne la somme à l'association. Et en plus de ça, on va essayer de trouver le point, bien sûr. Bagnole. Vous savez qu'il y a des gens qui habitent là-bas, non ironiquement. Hein. J'habite à Bagnole, mon pote. Bagnole! Merci beaucoup. Les nichons de la daronne à Flaubert. Pour les 108 euros. Merci beaucoup. On les adore, bien sûr. Les nichons de la daronne à Flaubert, bien sûr. Oh putain, vive la France, hein. Vive la France, vraiment, vraiment bravo. Bravo la France, hein. Super. C'est de la bite, hein. Je me suis fait biter, hein. Vas-y, je vais reboot, hein. Ah, voilà. Là, ici, on peut avoir un truc. 399 cassés. 499, on va prendre le plus cher. C'est combien, ça, 499 cassés? C'est quoi, ça? C'est la couronne tchèque. Ah oui, non, mais c'est à chier. C'est 19 balles. C'est 19 balles. Paris. En fait, le vrai bon plan, c'est les tabacs. Les tabacs, ils affichent des trucs dessus. Vomito. Enfin. Juste un prix, putain, il y a des prix partout, je les vois dans ma tête. Pitié, je suis dans un quartier nul. Les pompes funèbres, let's go. Le tabac, ici, un gagnant a gagné 1 million d'euros. Oh, attends, en dessous, c'est quoi? 1953, vous dites, c'était? Vous êtes sûr? C'est possible que ce soit un 1953, en vrai, mais ça m'étonne quand même beaucoup. Vas-y, 1953, Nick. Allez. Ça sera 1953 balles. Vas-y, je vais envoyer chez France. Elle est à 18 063. Je lui donne 1953. What? Merci! Merci Antoine! Merci beaucoup! Voilà! Let's go! Dernier fan art sous Paint. On a intérêt à le réussir. On a intérêt à le réussir, les amis. Bien sûr. C'est réussi pour moi. J'aurais dû mettre ça en blanc dès le départ. Ah, putain. Elle va être contente, j'en suis certain. Il y a un petit problème avec les yeux, je vais pas vous mentir. En fait, oui, non, ce problème, le vrai problème, c'est cet œil-là, là, pour l'instant. Elle va adorer, c'est sûr. Je vois pas comment il pourrait en être autrement, elle a un œil carré. Voilà, OMG, c'est gagné. Oh, le baiser de Klimt. Ah mec, c'est pas sec, je suppose. Regardez-moi ça. Voici l'original, messieurs, dames. Et voici, peut te placer un peu au centre, histoire qu'on voit. Bien sûr. Une réussite, en vrai, hein, incroyable. C'est englobe-tu. En vrai, c'est pas mal, là, j'ai rien oublié. Le yinge derrière. Mais il est pas... Ah oui, il est dans le panier derrière. J'avais pas vu. Cul plein de café. Il est mort. Il est dead. Merci à tous. Allez, on va lui envoyer. J'espère qu'elle va être contente. Hein. Franchement, si elle l'est pas... Si elle l'est pas, je comprends pas quoi. Même pas son RT quoi. Elle est là, putain. C'est Oliver. On le reconnaît bien, hein. C'est 100% Oliver. Hein. Florence a répondu. Voyons voir. Très honoré d'avoir été... Ah, elle a changé, elle a mis en PP. Ça, j'aime bien quand ils les mettent en PP. Hein. Très honoré d'avoir été votre muse l'espace d'un instant, qui plus est celle d'un maître du dessin tel que vous. Continue à nous épater au quotidien, l'histoire se souviendra de vous. Elle a mis l'histoire avec un grand H en plus, hein. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Bravo. Je pensais pas que l'étoile serait si petite, en vrai. J'avais pas bien vu la taille, je vais pas vous mentir. Après, là, pour l'instant, ce n'est qu'une toile, à la con, hein. Mais dans quelques instants, un chef-d'œuvre reposera, évidemment. Un chef-d'œuvre posera là-dessus. Il y a de quoi rincer les pinceaux. Oh putain, merde. Bonjour monsieur. Le chat dit bonjour à Ponce, bien sûr. Bonjour. Et bonjour Xavier, bien sûr. Merci beaucoup. Sache que je n'ai jamais utilisé de peinture depuis la maternelle. Donc normalement ça devrait bien se passer, ne t'inquiète pas. Sache que ce tableau, en tout cas, sera acheté lors d'une phase d'enchère à un moment et qu'il va se retrouver chez quelqu'un. Voilà. Ah, bouge pas. La moindre erreur. Tu sais, je ne peux pas effacer, je peux pas faire CTRL Z. Est-ce que vous m'entendez dans le micro d'Antoine?
Et oui, je me permets de prendre un peu le casque d'Antoine parce qu'en fait, c'est un casque qui permet d'entendre que la personne qui porte le casque, hein, c'est le principe. Sachez que vous ne voyez pas et c'est tant mieux pour le moment, je pense. Vous verrez, de toute façon, à la fin, vous aurez le résultat final de cette œuvre d'art assez magnifique. En tout cas, il est extrêmement concentré. Et en fait, ce qui me fume, c'est sa tête quand il me regarde, en train de dessiner. Ça me fait limite peur, putain. En fait, j'aurais kiffé avoir une cam là, mec. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je vous jure, il me regarde comme jamais personne ne m'a regardé, hein. Vraiment, c'est... Pour l'instant, il y a ça. Alors, je peux pas te mentir, c'est un peu coulant, quoi. C'est un peu coulant, quoi. Je vais pas te mentir que c'est plutôt dégueulasse pour l'instant, quoi. Je vais faire ton coup. Stop, arrête de couler. Arrête. Oh, t'as un trop long coup. Le diplodocus. Alors attends, t'inquiète, on va rattraper tout ça. C'est ma patte. C'est ma patte. Attends, je vais remettre du noir, il y en a pas assez. Et bah c'est pas si immonde. Après moi je me rappelle du niveau d'Antoine quand même sur Gartic Phone. Personne ne bat Mintos. Alors Mintos c'est pareil, tu vois, Mintos je trouve qu'il a un petit talent tellement c'est immonde. Oui. Donc Antoine est en train de me dire qu'il va me faire des grandes mains, pourtant j'en ai des... Mais c'est pas des mains ça, c'est des ballons de foot. C'est nickel, une petite balle de ping-pong en main, c'est top. Il est très concentré. Mec, c'est même pas la taille de mes yeux. Ouais, vous pouvez m'appeler Jamie ou Harry, comme vous voulez, y'a aucun problème. Oh et... Ah mais j'aime trop par contre, sans déconner. Non mais attends, il est vachement bien. Alors, on n'a plus rien à dire. Alors, ça met une pression. Non, y'a un vrai talent, y'a un vrai truc. Photo. Bisous la commu. A plus tard. Achetez ça cher, hein, par contre. Messieurs, dames, vous avez vu l'épaisseur, là, on s'en rend pas compte, mais là... Là, c'est vraiment bien, là. Messieurs, dames, à combien sur le marché de l'art cette peinture va-t-elle partir, hein? On peut presque le toucher. Vous pourrez le lécher si vous l'achetez. Vous pourrez lécher et me dire quel goût ça a. C'est plus difficile avec de la matière, on va pas se mentir. C'est pas toute la même chose sur... Moi, je suis surtout un artiste paint à la base. Donc c'est pas non plus si simple, quoi. Et du coup, ouais, voilà, vous voyez, ça, c'est une main d'artiste, ça. Ça, c'est main d'artiste, le fait d'avoir de la peinture dessus. Très cher Roy Lennon, voici un petit fan art qui saura, je l'espère, retranscrire tout ton charisme naturel qui inonde le monde depuis tant d'années maintenant. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, avis positif uniquement. Moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai été accueilli par un instant de tendresse et de douceur incroyable. La girlfriend expérience avec Antoine, c'est toujours quelque chose. Toujours un plaisir. Alors voilà. Oh, mais c'est garanti en vrai. Bah voilà. Voilà. C'est garanti, il y a Fanta derrière. Il y a Fanta, alors on le voit pas très bien là parce qu'il y a là-bas. Il a des sourcils à Fanta, mais sinon oui. Oui, bah, tu vois, tu l'as reconnu. Ça, tu l'as tout à fait reconnu. Les belges et tout. Non, mais c'est imbloquable en vrai. Incroyable. Putain, mais t'as super bien fait l'école et tout. Et t'as fait ça en combien de temps? Oh, je sais pas, en 10-15 minutes. Sous paint. Ouais, sous paint, bien sûr. Bien sûr. 17,5 sur 20. Je le prends. Ah, je le prends. 17,5 sur 20, 18, si tu veux. 18, ce serait biaisé. Je le prends encore plus. Oh, y a des gens, on en fait des très beaux aussi. T'envoies des très jolis, hein, bien sûr. Écoute, je suis ravi qu'en tout cas, ils te plaisent. J'en suis ravi. Tout simplement, merci. Je t'en prie. Un plaisir. Le chèque t'arrive bientôt. Merci beaucoup. Et en plus de ça, il va m'envoyer un chèque. Viens de dire, incroyable. Oh bah, je suis content qu'il ait kiffé. Ça semblait sincère en plus. Prendre le mégaphone, comment ça marche? On va passer à 1,7 million et ça... Ah 1,7 million. Voilà. Let's go, bravo. Ah mais j'ai pas... Ah voilà. OMG. Ah oui. Bonjour. Oui. Oui. Je ferme les yeux. J'ouvre les yeux. Ah. Bonjour à tous. Oui. Évidemment. Bonjour à tous, évidemment. Check Twitter, oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quoi sur Twitter? Attends. Ah, Margot. Donc, cher Antonelle, suite à votre chef-d'œuvre d'hier, voici un fan art réalisé lors du Z-Event 2021 en vous remerciant, Gomard. Bien de la merde. Si c'est pour me pondre... Une chiasse du genre, mieux vaut s'abstenir. Voilà. 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 Là, on y est, là. C'est bon. Uhu, bien sûr. Ah, mais je me suis reculé. Ah, attendez, regardez, je me recule.
Au revoir. Bon, du coup, on va faire la game d'Overwatch de cette façon, bien sûr. Sache que je suis ravi de jouer avec toi aujourd'hui. Ah. Alors, attends, quand tu dis aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire un Overwatch toxique, mais est-ce que ça concerne tout le monde ou que moi? Non, non, tout le monde. Fred, tu nous invites tous? Non, bah écoute, fais le groupe, toi, c'est ton... Mais non, mais moi, j'ai pas Mintos. Ah, t'as pas Mintos, d'accord. Mais non, jamais je l'ajoute, t'es fou, What the fuck, mec? On avait dit pas toxique. Jamais de la vie, je l'ajoute parce que j'ai peur de le déranger. Alors, j'ai demandé, effectivement, aux gens de nous stream sniper, si possible, hein, bien sûr, histoire de nous faire rager encore plus, non. Mais on ne ragera pas, bien sûr. Oh, oui, allez-y, bien sûr. Indisponible en raison de la gamme de code dans votre escouade. Aïe, 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 qui est Grand Master ici, là? Je pensais que on avait tellement pas joué depuis longtemps qu'en vrai, on pourrait tous faire de la ranked, quoi, tu vois. Bah ouais, mais non, les codes bougent pas, en fait. D'accord. C'est, je pensais que ça descendait. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est bien. C'est bien. Moi, je joue des personnages cancer selon Alpacas. Mais non, mais arrête. Pas de toxicité. Pas de toxicité. On va s'amuser. Parce que l'important, c'est le fun. Évidemment. Moi je suis ravi de jouer avec mes amis pendant cet événement caritatif. Pour Action contre la faim. Moi aussi. Bien sûr, je suis vraiment ravi. Je suis ravi de jouer avec des amis que j'aime. C'est bien, c'est bien, ça trouve rapidement, plus que sur d'autres jeux. Hein. Et puis en attendant, du coup, je vous montre des photos de mon petit chat. Voilà. Oh. Ah. Sur l'échauffement, non. Volskaya Industries. C'est la première map que j'ai joué sur le jeu, le Salim. C'est touchant comme anecdote. C'est vraiment, ouais. C'est trop mignon. Oh, quel plaisir de jouer à Overwatch avec vous. Je suis content de jouer tank parce que c'est vraiment la classe qui est le plus viable solo. Bah ouais, vraiment, c'est cool. T'as beaucoup de points de vie, t'en as plus que nous, c'est trop bien. Oui, c'est vrai que c'est bien. Et puis j'ai un mur. Ah ouais, t'as un mur et tout. Comme le mur de Berlin. Tu joues Reinhardt, en plus ouais. Il est allemand. Quel groupe incroyable. Mais le groupe est incroyable. On fait une équipe qui fait la paire. Ben voilà. Go. Mais d'une simplicité. Mais en tout cas, bravo à l'équipe d'en face, ils se sont bien battus, je trouve. Je suis bien battu. On a été un peu meilleurs, mais vraiment, je les ai trouvés excellents. On pouvait compter sur les partenaires commerciaux et ça fait plaisir, de temps en temps. Mais là, vous n'êtes pas mes partenaires commerciaux, vous êtes mes amis. Je serais très content de vous partager, on m'a offert des petits bonbons. Ah, j'en veux bien un. Ah, tu veux bien un petit bonbon? Bien sûr. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Oh, c'est japonais. Oh, t'inquiète. C'est japonais. T'es sûr? On dirait que c'est calciné, Mintos. Oh, t'inquiète. C'est super bon, Mintos, putain. Je vais les garder pour plus tard, histoire de pas tout manger maintenant. Tu me rappelles pourquoi je joue pas FPS? Bon, ça, il a ça, lui. Parce que je suis un étron. Ah, non, ça suffit, ça. Non, t'es pas un étron, frère. T'es pas un étron, merci, les amis, c'est gentil. Une charmante petite croque toute mignonne. Oh, adorable. Merci, JDG. Adorable, JDG, hein. Je sens que c'est compliment, je le pense vraiment, quoi. Bâtard. Ah, pardon. Non, comment? Non, rien. Mintos. Non, pas d'eau. C'est mon truc de voix. Ah, c'est un bug. La Go XLR, oui. C'est la Go XLR. Nique la fin. Je suis toxique avec la fin, si vous pouvez me permettre, bien sûr. Ouais, ça on a le droit, ça. Ça on a le droit. À la fin, c'est vraiment une grosse. Bien sûr, voilà. Ah, dommage. Je suis tombé dans le trou. Dégage-toi. Ah non, Florence. Poussez-vous. Non, c'était un membre de l'équipe d'en face. Ah, regardez, on se fait camper, mais c'est pas grave, j'aime bien le camping. Et moi aussi, ah, j'adore. Oh, ça me rappelle mon enfance. Voilà, et c'est gagné, les amis. Ah, quel bonheur, les amis. Ok. Bah alors attends, je vais peut-être retirer le VTube puisque c'est terminé. Ah, c'est moins bien. Merci beaucoup. Et continuez bien sûr. Évidemment. Qu'est-ce qui... Ah, ça va et toi? J'ai un chariot avec divers cadeaux à l'intérieur. Tu as des cadeaux à l'intérieur du chariot, ok ouais. Tu choisis le cadeau que tu veux et tu fais un don pour l'association d'action. Attends, tu payes le prix que tu veux. Celui-là, j'aime bien la forme qu'il a. Alors, comment dire? C'est quoi? Ça peut être ouvert, il peut y avoir un banger à l'intérieur comme un iPhone, comme il peut y avoir un vibromasseur. Ça va du tout au tout. Donc, si t'es attiré par ça, soit... Moi je pensais que c'était un pistolet de loin, j'ai cru tu vois. Ça peut être un pistolet. Mais vu ce que tu m'as dit... Attends, je vais regarder un peu tout ce qu'il y a. Vas-y, je vais prendre ça. Oula. Alors, qu'est-ce que c'est? Nick, il y a écrit Nick dessus. Voilà, la boîte, elle est exceptionnelle. J'ai jamais vu, c'est une boîte Nike authentique. Si tu as choisi un truc de merde, je ne suis pas responsable. Non, bien sûr, évidemment. C'est top. Oh, ça a l'air top, vraiment. Ah, voilà, putain, frérot, c'est scotché. Voilà. Waouh. Là, c'est un gris. Un déodorant. Scorpio. L'original. Waouh.
Incroyable, frérot. Écoute, je te ferai un don à la hauteur de ce cadeau sur ta chaîne, ok? On va donner 5 balles, je pense, un truc du genre. On va donner 5 balles. Bonjour le chat. Ça va le chat? Bonjour. Vous avez l'air poli ici. C'était renversant. Bravo les lesbiennes, évidemment. Vous aimez les lesbiennes. Surtout moi. C'est rouge rouge là, mais là c'est orange. Si tu veux te lancer dans un dégradé, tiens, le orange, ils veulent le dégrader. Hein. Ils sont même très très chauds. Non mais en vrai c'est bien parce que tu vois, tu peux faire les petites mèches. Ouais voilà, c'est très bien. Regardez, il fait un dégradé. Ouais, un peu derrière, mais je pense que le coup doit être fait en premier du coup. Enfin, je ne te donne pas d'ordre évidemment. Hein. Tu es Dalid. Y a-t-il seulement quelque chose que cet homme ne sait pas faire? Je pense que le pigment bleu va raviver le beige. Ma grand-mère est artiste. Et ça fera, au pire, ça fera un petit marronné. Ouais, je pense. Merci Mario pour 1€, merci Rémi pour 6,90€, merci Anne Chagar pour 1€, merci Macro pour avoir suivi la France pour 1€, merci Salvador Daniel pour 7€, merci Salvatar Dali pour 1€, merci Bravo Lébi pour 1€, merci les bonnes bourses de PPDA pour 1€, merci La Parisienne pour 1€, merci Pomme Chris pour 1€, merci Seyabi pour 7€, merci Rémi Rino encore 6,90€, merci Anonymous pour 1€, merci Long Desamel pour 1€, merci Merluc pour 5€, merci The Windsor pour 1€, merci Mister Etlot pour 1€, merci Lyon Moleroy pour 1€, merci La Tour et la Foutre pour 5€. Après, je peux vous le faire en voix de dessin animé aussi. Merci beaucoup Amélie Comprend-Rien que je crache sur toi. Merci beaucoup Tristan pour 1€. Merci la Joconde pour tes 1€. Merci beaucoup Pointe Ménère pour tes 1€. On va tous partir sur une aventure et vous allez tous donner des dons s'il vous plaît. Yala yala. Si vous donnez pas assez de dons, je peux faire. Bébou. Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Est-ce que tu me gnocques? Je te gnocque. Est-ce que tu me gnognes? Je te gnagne. Mouah. Tout ton chat qui spamme UU, c'est vraiment très drôle. Oui. Merci beaucoup. Pour les 50€. Messieurs, dames, n'est-ce pas magnifique? Plus longs les cheveux? Ah, c'est vrai, ils auraient mérité d'être plus longs. Mais vu que ils vont redevenir plus courts, donc c'est un entre-deux en fait. C'est texturé, hein, regardez de près. Comme pour Ponce, hein, bien sûr. De près, c'est un enfer. Hein. De près, c'est... Déjà de loin, c'est horrible, mais de près, c'est un... Enfer sur terre. Merci beaucoup Magla. Merci beaucoup. Bah un honneur que tu sois venu. Merci beaucoup. Banana. Pianiste. Chopin. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bravo. C'est ça. Chopin. Yeah. Bravo. 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 Antoine et Ponce vont soulever ce premier titre de question pour un streamer 2. Messieurs, dames, je ne reviens pas seul. Je ne reviens pas seul, messieurs, dames. Honnêtement, j'y croyais pas. Hein. Franchement, je ne pensais vraiment pas qu'on allait... À chaque fois qu'on passait une étape avec Ponce, on se disait ça, c'est la dernière. C'est la dernière. Pourquoi c'est eux qu'on la main? Pourquoi c'est eux qu'on la main? Ils l'avaient tout à l'heure. Non, on n'a pas la main. Là, ils vont. Maintenant, ça passe à nous. Vous avez le choix. On a le choix. En fait, c'est un ping-pong. Okay. Okay. Calmez-vous. Pas d'abord, ok. Les gars, c'est du caritatif. Ça gueule, étoile. Ok, ok. Calmez-vous. Taisez-vous. Allez, pour vous pousser. Pour vous pousser, messieurs, dames. Franchement, si avec ça, je n'ai pas une pluie de dons, même de petits dons. Oui. Qui a gagné? C'est nous. Sérieux? Mais oui. Bah, merci. Oh, oui. Incroyable. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Messieurs, dames, je veux voir des dons, là. Hein. Si j'en... Je vais le faire, là. Je vais le faire, là. Messieurs, dames. Oh, regardez-moi ça. Regardez le héros de la soirée. Mais non, mais bravo. Hein. Hey, en vrai, j'y croyais pas trop, en vrai. On va voir les Twitter de Horty et Bagheera. Qu'est-ce qui se passe? Oh, putain. Oh, Hortense. Bagheera et Hortense, elles ont ça en avatar. On en est où pour l'instant? J'aime bien. Pour l'instant, t'as pas pris trop de risques, mais je sais ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. Bah, t'as fait mon corps, mais il manque quelque chose, quoi. Oh, le bonboule. Oh, le pétard. Mais putain, j'ai un cul. J'ai un cul monumental. Cul plein de caviar. C'est Pac-Man, c'est ça? C'est une photo, hein. C'est une photo, par contre. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence. Eh bah mec, ça m'a fait vraiment plaisir. Bisous à toi. Jean veut que je chante Moscow chez lui? Il atterrit? Bon, attendez, je vais le voir. Je vais chez Jean Massier. Moscow, Fremdungelheit
this wall. Du machst Rattem Golf Kite. Kite wie das Eis. Moskau, Moskau, Liebe schmeckt wie Kaviar. Manche sind im Glückesinn. Hey, Moskau, Moskau, Gabe wird dann sein auf dem. Die Spieße ist der Feste. Hey! Quelle indignité. Excusez-moi. Je reviens tout de suite, faut que je souhaite un anniversaire à des jeux. Joyeux anniversaire, Dr. Feelgood. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. La voix d'un ange. AlphaCast aussi. Comment ça, AlphaCast? Ah, mais c'est son vrai anniversaire, putain. Oui, bonjour. Joyeux anniversaire. J'adore. T'as gagné toi non? Putain il a gagné en plus. C'était pour moi. Ah c'était pour moi. Merci, merci mec. Et bravo, 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 bravo. Pour une belle victoire. C'est bon, je suis la machine à anniversaire là. La meilleure partie de The Event, c'est quoi ça? Envie de crever. Envie que ça cesse toute cette histoire, bien sûr. Je voulais pas que mes oreilles de chat servent à des choses aussi sales, bien sûr. Et pourtant, c'est le cas. Nous allons, messieurs, dames, très prochainement passer à la phase d'enchère. On va connaître ta cote. Ah oui! J'espère que je suis un artiste avec une grande cote, quoi, bien sûr. Je suis artiste, ça m'a fait tellement de mal de pas te voir diluer la peinture. Mais je suis artiste également. C'est juste ma façon de faire, en fait. C'est quoi ces artistes qui suivent des règles? Cringe? Un artiste, c'est libre. Il est 1h30 du matin, messieurs, dames. Le moment tant attendu est arrivé. Il va être temps de lancer la phase d'enchère sur ce magnifique tableau représentant Aurélien Gilles, aussi connu sous le nom de Ponce, signé par lui-même et moi. J'ai mon marteau automaton, bien sûr. Évidemment, chers amis, un magnifique tableau. Combien vaut-il selon vous, évidemment, la réponse? Je rappelle, très important, mettez bien votre arrobase. Je déclare l'enchère pour le tableau de Ponce ouverte. On a 1 euro par ici. 1 euro pour l'instant. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va monter? Toujours 1 euro. Pour l'instant, ça bouge. Oh là là, le musée d'Orsay qui donne 140 balles, 150 balles, Tissoleil, 150 balles, Tissoleil, 330 balles, Rocforella, 330 balles. C'est pour mettre sur la cheminée, bien sûr, c'est pour mettre dans les toilettes, c'est pour évidemment mettre dans votre salon, dans la chambre de votre enfant, si vous le détestez, bien sûr. Eh, messieurs, dames, je vois des NFT de singes de merde qui partent pour je sais pas combien d'Ethereum de merde. Et ça, vous me dites que ça vaut 330 balles, ce chef-d'œuvre? Les amis, un peu de sérieux, s'il vous plaît. À la fin, ça va cartonner, moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est mort. Je pense que c'est déjà jugé à 330 balles, hein. My fucking mess qui donne 1001 euros. Et il y a Manto qui donne 1000 balles aussi, mais c'est hélas, c'est my fucking mess pour l'instant. 1001 euros. Manto, désolé, c'est pas 1001 euros. Désolé. Messieurs, dames, je crois que c'est fait. Oh! Il y a eu deux dons, hein, de 1111 balles. Roger qui donne 1200 balles. Mais Roger, tu n'as pas donné ton arrobase. Tu n'as pas donné ton arrobase, Roger. Je ne peux pas te contacter. Du coup, pour l'instant, c'est Marjaja, 1111 balles qui l'emporte pour l'instant. Roger, tu n'as pas mis ton message. Tu n'as pas mis de message, mais t'as donné 1200 balles. Roger qui a attendu pour essayer de donner à la toute fin. Tout ça pour au final ne même pas mettre son arrobase. Bravo Roger, hein, merci pour les 1200 balles. Adjugé, vendu, Marjaja, pour 1111 euros. Ce tableau part pour Marjaja. Bien joué. Nous allons passer au deuxième tableau, messieurs, dames, qui est évidemment le magnifique tableau de Magla, bien sûr. Il est vraiment, ça c'est vraiment le cadeau idéal pour Halloween, bien sûr. Hashtag je suis Roger, bien sûr. Terrible Roger, terrible Roger. Bah désolé, mais je peux pas te retrouver. On se sent bien avec lui.
Vous pourrez dormir avec le contre. Vous pouvez le voilà, de dormir avec comme ça, bien sûr, dormir avec lui. N'hésitez pas un seul instant. Pour l'instant, c'est El Marco qui mène l'enchère à 300 balles. Messieurs dames, soyons sérieux. Vous n'allez pas faire partir ce magnifique tableau pour seulement 300 balles. Ça serait une insulte envers l'art de manière générale, envers Magla et envers moi-même, bien sûr. Oh là 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 là, 669 balles. Gabouiel qui donne 669 balles. Nice. Oh, nous avons 1250 balles pour El Adoré. 1250 euros à juger à El Adoré. Bravo, 1250 euros. Le dernier tableau, messieurs, dames. Le célèbre présentateur de ce soir de questions pour un streamer en compagnie de Samuel Etienne, l'organisateur de tout ça. Étoile, bien sûr. Étoile, évidemment, que le Pac-Man, la petite étoile qui en plus de ça, regardez comme elle est jolie, bien sûr. Évidemment, Étoile, peut-être le chef-d'œuvre de la soirée, évidemment, avec son énorme cul, évidemment, puisqu'on rappelle que c'est le bol tibétain. Est-ce que quelqu'un va remporter le bol tibétain ce soir, messieurs, dames? Probablement. Mais à quelle somme? Ça va très vite pour ce tableau, hein, ce chef-d'œuvre, bien sûr, probablement. L'artiste était clairement à son prime au moment où il l'a fait. Regardez bien la taille de ce boule incroyable. Vous avez encore le temps, bien évidemment. Il faut en parler avec votre famille, avec votre banquier, bien sûr, évidemment. Histoire que vous puissiez débloquer des fonds, les fonds nécessaires, bien évidemment, pour vous procurer cette œuvre d'art, évidemment, qui dans quelques années sera considérée comme étant inestimable, bien sûr. Évidemment, par exemple, la Joconde, quel prix vous lui mettriez? Aucun prix, c'est inestimable. La même chose dans quelques années pour ce petit tableau, évidemment, qui ne paye pas de mine, évidemment, pour l'instant. Mais dans quelques années, sera peut-être une des images les plus iconiques et des plus reconnaissables dans le monde, bien sûr, évidemment. L'étoile parfaite, comme on l'appelle. Vous recevrez étoile non diabétique, mais avec un énorme cul ce soir, les amis. Si vous le désirez, pour l'instant, c'est Arnaud qui mène la barque avec 301 balles. 1708 euros 1708 euros pour pâte au beurre. 1708 euros. Adjugé vendu pour Kreis. 1708 euros. 1708 euros. Qu'est-ce que ça me fait de voir des gens qui achètent des toiles? C'est incroyable. Ça veut dire que l'art n'est pas mort dans tous les cas. Effectivement, cette toile est partie pour 1708 euros à l'instant. Il y a eu un tableau, celui de Magla qui est parti pour 1250, et celui de Ponce pour 1111 euros ce soir. Merci à tous, vive l'art bien sûr, vive l'art, vive les artistes. Bravo, ça me fait très chaud au cœur. Bravo à toutes et à tous, bravo. Ah, putain, cette phase d'enchère, incroyable, mais combien on a fait de fric, c'est fou, bravo pour l'assaut. On a 143 000 euros ici, incroyable, on a déjà battu mon record de l'année dernière. J'avais fait 136 000. Ponce? Quoi? Oui. Dis-moi, déjà première chose, t'aurais pas gagné, question pour un streamer? Ouais, j'ai gagné avec un super bro, mec. Ah, incroyable, fantastique. Moi, il faut savoir que Ponce et moi, on a quand même, enfin surtout moi. Niveau quoi? Moi, quand même, on va pas se mentir que sur Fortnite, bah, je me pose là, quoi. Quoi? Attendez, Fortnite en folie. Où ça? Dans la maison Fortnite. J'ai tué quelqu'un encore? Ah mec, t'es trop fort au jeu. T'as déjà joué? Il faut que tu m'aides. Oui, j'arrive. J'arrive, je Fortnite le mur. Ouais, 22, il a plus de PV. Tu le tues. No joke. Un coup. C'est bon. Oui, c'est bon. Après, faut vraiment que je Fortnite. Hein. Ouais, mais mec, t'inquiète. Mais ça, c'est prévu. Hein. C'est prévu, ça arrive fort. Hein. Ça arrive très très fort, mec. Ok, c'est bon. Récupère ces matériaux. Je me suis fait Fortnite. Mais encore? Où il est-il? Au-dessus, là. Regarde, je le vois. Ah putain. Ok, bon, hey, partie de chauffe, hein, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. En vrai, ça fait tellement longtemps, bro, c'est normal. Hein. Le temps des tempêtes se formera dans 38 secondes. Non! Je me fais attaquer par des poulets malfaisants! Non, c'est un sanglier! C'est un loup, mec! Ah non, c'est un loup, ok. C'est littéralement un loup, mec. Ouais, ouais. Si t'as dans c'est mort. Y a quelqu'un qui te court après. Ah non! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais cran, c'est quoi? C'est devenu bizarre, Fortnite. Un de mon temps, c'était pas ça. Hein. derrière! Là où on vient, exactement là où on vient. Mais putain, mais je suis super loin maintenant, mec! Non, c'est moi qui suis dans les flammes! Je suis mort des flammes! Non, je suis mort des flammes, bro. Ah mais merde, j'ai mis des flammes partout. C'est quoi ça? C'est quoi la fissure là? Je suis en train d'éteindre une... Bro? Ouais, non, t'inquiète. Non, c'est... non, bro, bro! C'est où, bro? Mais qu'est-ce que tu fais? Bro, c'est quoi ça? Ok, alors, cette zone-là, faut... Non, ne va pas dedans, bro, bro! Oh, bro! Bro! Mec, c'est pas des vrais Fortnite, ça. Mais attends, mais ils ont... Mec, ils se sont drogués chez Epic Games, c'est pas possible. C'est devenu quoi? Avant, c'était une masterclass, le jeu. Mais mec, c'est mort, Fortnite? C'est un dead game ou quoi? Mais c'est un dead, ouais, game de fou. Dead game de fou, bro. Oh, devant moi, fight! Devant moi, fight, fight! Je le vois. Ils sont deux! Ouais, ils sont deux. Oh, j'ai pu! J'ai... Quoi? Pourquoi? Bro?
C'est quoi? Pourquoi mon arme, allez? Je me casse, je me casse. Mais c'est quoi cette arme de merde? Pourquoi ça tire pas? Pourquoi ça tire pas? Je suis mort. Merci, bro. Hein. Ça tire sur moi. Bah, je suis plus là. Hein. Je vais essayer de me casser au maximum ici même. Oula, le recul. Mec, essaye de viser sur lui. Ouais. Ah, dommage. Ouais, la prochaine fois, je te conseille de viser sur lui plutôt qu'à côté. Conseil. Oh, mec, c'est dur. C'est dur. On relance par contre. On me dit que c'était Ninja en face. Bien sûr. Ouais, il joue sur serveur US, je pense pas. T'es sûr? Ouais, en général, c'est plus serveur US, donc je pense pas, honnêtement. Pourquoi est-ce qu'il jouerait sur serveur US? Je sais, parce qu'il est aux US, bro. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'ils sont moins forts. Hein? Ils sont moins forts aux US. Ah 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 ah, derrière. Oh non, oh putain, bro, oh putain, mais il y en a 10 000 mec, c'est stream snipe, 100%, stream snipe. C'est stream snipe, 100%, stream snipe. On Fortnite entre nous, et puis il y a des stream hackers qui viennent détruire. Ouais, ça dégoûte. En vrai, c'est injouable, il y a un Discord entier qui se réunit pour snipe no game, c'est... Mais il n'y a plus que deux armes dans le jeu, ça se passe comment? Ouais, c'est bizarre, mec, le jeu a grave changé. Hein. Avant, le jeu était masterclass. Maintenant il est master merde. Oh mec, pas très long. Putain, mec, bien joué là, le jeu de mots là, putain t'es fort au jeu. Oh, y'a quelqu'un qui part en bagnole. Mais c'est qui, c'est les flics? Mais mec, attends, j'appelle la, j'appelle non, la police. Non, hein. c'est eux la police, mec. Je sais pas si c'était les flics, je sais pas si c'était les handdecks, tu vois. Non, moi on aurait dit les handdecks, je vais pas te mentir. Oh, y'a des... Ouais. Y'a des flics. Et pourquoi les flics nous voudraient-ils du mal? Qu'est-ce qu'on leur a... Ah, là où on était, 5, fort. Ah, je suis au sol. Il est low. T'inquiète, bro. Il est mort, bro. Let's go. Oh non, ça arrive. Oh non, la vla. Eh, ça y est, je suis dans la tempête. C'est le temps des tempêtes pour Audible. Le temps des tempêtes pour Audible. Il nous reste plus que 3 Fortnite à tuer, Ponce. Oh là là, 3 Fortnite avant le top 1. Oh là, non, ça c'est un poisson. Mec, fais gaffe. Ah là, y'a un mec. Ah ouais. Attends, ça t'approche pas trop, hein, mec. Non mais mec, t'es fou, on va se les faire. Let's go, j'y vais. Mec, t'inquiète. Ah, je me fais attaquer, pense à moi. Ouais, je t'aide. Il est low en vrai. Hein. Oh, je l'ai eu. Ouais, je l'ai mis mal. Nice, bien joué, bro. Ah, je suis mort. Enfin, je suis au sol. C'est vrai ? Je suis au sol, je suis là. Ah, c'était trop dur, mec. En vrai, je... Ah, top 2, dommage. Oh, top 2, gros assassin, si close. Putain, quel dommage. Bro. Ah, le Fortnite qui fait toujours plaisir. Fait toujours plaisir, Fortnite, hein, bien sûr. Quel grand jeu. Moment de complicité. Incroyable. Le gros cul. J'ai 6 ans et demi. Bonjour, les gens de chez énorme. Trivia. Bonjour, énorme. C'est Antoine. Énorme. Oh putain, son micro, il est trop bien. Oui, sympa. Oh, le micro. Ah, j'avais ça. Ah, en mode relax. Oui. Incroyable. Et bonsoir! The president has no ribbon. Let's go. We've come too far to give up. We are. Dieu le grand joue l'Amazon. Chez les blacks, chez les six, chez les joueurs. Oh, We didn't mean it. Please. Time out. Didn't mean it. Vous remarquerez, j'ai pas chanté. Oh my god! It's an accident. Voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Where the lights off. It's just dangerous. Here we are now. It's dangerous. Yeah. Da. Merci. Give me, 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 give me
D'azote. D'azote, really hot. Oh là là, c'est foutu. La voix demain, c'est terminé, les amis. D'azote. C'est ma voix, c'est terminé. Je suis en mode full Bruel. Salut à tous, c'est Patrick Bruel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le poker, les amis. Putain, mais Manu, qu'est-ce qui m'a fait rire? Je sais pas si on l'entendait pendant Hey Jude. Qu'est-ce qui m'a fait rigoler, moment? Oh là là, j'ai pleuré de rire. Oh, si vous l'avez entendu. Incroyable. Dazote.